version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui est un grand jour, car aujourd'hui, nous réagissons à un film français mythique, ok, réalisé par Alain Chabat, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Sachez que c'est un film que je connais plutôt bien. Ok, je l'ai découvert il y a très longtemps de cela. J'étais encore au lycée et je l'ai adoré tout de suite en fait. Voilà. Lorsque je vous ai proposé qu'on y réagisse ensemble, eh ben la majorité ont voté oui. Donc je me suis dit let's do it. Et en plus, je ne vous mens pas, je pense que ça fait plus d'une décennie que je ne l'ai pas revu. Alors, cette fois-ci, j'ai décidé de faire les choses un petit peu différemment. Au lieu de balancer un petit extrait de 2 minutes de ma réaction, et ben cette fois-ci, ce que je vais faire, on va voir si ça va fonctionner, ok? Donc, je compte sur vous, les abonnés de la chaîne qui ne sont pas validés, de me donner votre retour, alright? Ce que je vais faire, c'est que je vais publier ma réaction en entier du film, mais bien évidemment je ne pourrai pas mettre le film dans la vidéo parce que la vidéo sera bloquée, et ça c'est clair et net. Donc ce que je vais faire, c'est que il y aura le film dans la vidéo, mais il sera flouté, ok, et il n'y aura pas d'audio. Je vais mettre un compteur sur la vidéo, comme ça vous saurez exactement à quel moment je commence la réaction et je commence à regarder le film. Il n'y aura pas de pause, alright? Lorsque je réagis aux films et aux séries télévisées sur la chaîne, je ne fais pas de pause. D'ailleurs, même quand je réagis aux longs projets de musique, je ne fais pas de pause. Donc, je fais cela pour que vous puissiez ouvrir une fenêtre à côté du film et vous pourrez regarder le film en même temps que ma réaction, ok? Et vous saurez exactement à quel moment débuter. Le problème ici, c'est que potentiellement il y aura des publicités durant cette vidéo toutes les 10 minutes. Je veux dire, même si moi je mets pas de publicité en fait sur ma vidéo, même si je décide de ne pas la monétiser, bah, YouTube vont quand même mettre des publicités sur ma vidéo. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Il va falloir que vous vous mettiez pause sur le film à côté et que vous repreniez le visionnage une fois que la publicité sera terminée. Mais il se pourrait que ce format, que ce concept-là vous intéresse et qu'il soit plus appréciable qu'un petit extrait de 2 minutes. Donc, l'avantage et le luxe qu'ont les gens qui me soutiennent sur Patreon, donc les validés, c'est le fait d'avoir tout en un. Voilà, ils ont ma réaction avec le film dedans, qualité excellente avec l'audio et tout. Et eux, bah voilà, ils n'ont pas à se taper les publicités de YouTube ou quoi que ce soit. Et en plus, avant de commencer la réaction, généralement, je lis leurs commentaires qu'ils ont laissés sous ma réaction de la semaine passée. Alors que vous, non, vous aurez juste accès à ma réaction. Voilà. Donc, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et j'espère que ça va fonctionner sans aucun problème. Je n'ai pas encore vu de personne faire ça dans le YouTube Reaction Game FR. Donc, si ça fonctionne, si ça vous intéresse, si ça vous plaît, on va continuer ce concept-là. Peut-être que je vais même l'élargir
vers mes réactions de longs projets, d'albums et tout, c'est-à-dire que je ne mettrai pas l'audio, vous aurez juste les paroles, mais vous, de votre côté, vous pourrez ouvrir et écouter la musique de votre côté pendant que vous regardez aussi ma réaction. Alors que les validés, eux, ils ont tout en un. Voilà. Bon, je suis vraiment très très excité parce que c'est un classique. Voilà, c'est un classique. Mais avant de commencer, bien évidemment, faites-moi plaisir et abonnez-vous à la chaîne et mettez un like parce que c'est gratuit et ça aide la chaîne avec le référencement. Sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et bien sûr, parce que sans eux, franchement, je ne serais pas là en train de faire ça. Un gros, gros, gros merci aux validés pour le soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Et avant même de commencer la réaction du film, je vais lire le commentaire de la semaine passée sous ma réaction de l'épisode final de la série d'NTM, Le Monde de Demain, aka Reign Supreme. All right, let's go. Yo, pâté, man. À chaque fois que je voyais cette intro dans les films français, je savais que j'allais avoir de la qualité en fait. Oh, Gérard Depardieu. Mais le casting de malade. Monica Bellucci, mais le... J'avais un crush de malade sur cette meuf, man. À l'époque. Qu'est-ce qu'elle était belle. Et elle est toujours. Oh là là, la musique. Oh, la musique est exceptionnelle. Ça représente tellement bien l'Égypte et l'époque des pharaons. Oh, je suis trop content de faire ça. Mon meilleur ami connaît ce film par cœur. Mais genre, par cœur. Les trompettes. Oh. Pam 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 pam. J'avais complètement oublié qu'il y avait un narrateur. Check-moi la taille de la meuf. Avec le 3 mois?
Nope. Tu te prends pour qui là? Pour embrasser Monica Bellucci? Et je crois que c'est dans ce film-là que j'ai où j'ai vu en fait la meuf qui était dans le clip de Damso pour la première fois. Ça. Gentil, si. Bah ouais. Feu d'artifice. Magnifique. Mais qu'est-ce qu'il était jeune? Waouh. Le temps passe, hein. De Oran. De Oran. Le gars qui explique la blague, quoi. Love and Peace. J'avais même pas remarqué ça à l'époque. Et on dit Peace and Love. If it ain't break, don't fix it. Ou bien, if it ain't broken, don't fix it. Oui. D'accord. D'accord. Architecté. Ouh.
Ah, la pauvre, le pauvre mouton, man. Ça fait mal au cœur. Les effets sonores abusés, quoi. Il est magnifique. Il est où le magnou? L'agneau? Mais moi! Ah, trop bien! Oh là 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 là! Là, c'est la séquence mythique. L'ascenseur. L'inventaire de l'ascenseur. De là à de là. Avec combien de retard? L'editing, man, excellent. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, mais c'est ça. Panasonic. Panoramix. Ah, j'ai trop regardé ce film aussi, man. Ah ouais, c'est le moins, il fait au moins 10, moins 10 000, c'est ça? Ou moins 5 000, je sais plus. Je crois que c'est la séquence d'après. Sauf. Résiste toujours.
Aïe, 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 aïe. Personne ne peut remplacer Christian Clavier et Gérard Depardieu dans le rôle de Astérix et Obélix. Moins 8000, c'était 8000. Avec son accent du sud. Il respecte bien le dessin en tous les cas. La bande dessinée. Ils l'ont changé, n'est-ce pas, le druide, l'acteur du druide comparé à Contre César, qui était le premier film. Moi, je préférais le premier Panoramix. Une marmichette, je crois que c'est ça qu'il va dire. Une petite marmite. Une gourde, ouais, non, c'est ça. Une gourde, c'était pas une... Ok, c'était pas une marmichette. Une boulinette, c'est rien. Non. Panomonix. Mais si, il va le prendre avec lui quand même, il va le cacher, je crois. Et ils vont s'en rendre compte dans le bateau, hein, si je me trompe pas.
Idée fixe? Voilà, c'est ça. Les pauvres pirates, dans chaque film, ils se font démonter. Et si je me trompe pas, c'était Lupin, non? Qui joue le rôle de Lupin, qui fait partie des pirates. Omar Sy. Barbe rouge. Aussi. Ah non, c'est pas Omar Sy. Je croyais vraiment que c'était Omar Sy. C'est pas Omar Sy. Égyptien. Et je crois même qu'ils vont recréer un tableau mythique. Une fois qu'ils vont se faire, ils vont se faire exploser par Astérix et Obélix. Titanic. Oh, bah ce sont nos amis. Il avait les gogos. Ah ouais, c'est vrai, il va faire couler le bateau lui-même. Il va faire la 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 la. Ah non, c'est ça. Mais n'importe quoi. Ah, mais je pense qu'ils vont revenir à la fin du film, je crois, c'est ça, ils vont se faire exploser encore, ouais.
Il y a trop de références dans ce film, man. Waouh. C'est joli, hein. Hey, la musique quand même, hein. Elle est mémorable. Ah ouais, c'est là qu'il va tomber amoureux de la meuf. La meuf dont je parlais tout à l'heure, qui était dans le clip de Damso. Et moi aussi, je la trouvais magnifique, sublime. Assez. Bam. Ah ouais. N'importe quoi. Le slow-mo. Ah, mon. Ça fait pas plaisir. Oh. Damn. Tu fais exprès ou quoi là? Une grosse fourmi. Ah ouais, ils étaient en plein construction des pyramides, c'est ça? Pas content, pas content, pas content. La musique qui va bien avec l'esclavagisme, malheureusement. En gaulerie. Bah ouais. Ils s'échangent même les perruques. Ils sont liés par les liens capillaires.
Oh mon Dieu. Ouais. Oh, voilà le script légendaire. Le monologue. Et il y a des gens qui connaissent justement ce monologue par cœur, tout comme mon meilleur ami. Il va tout faire pour... Pour saboter en fait le travail de numéro bis. Ah, j'adore ce monologue aussi. Pour César. Voilà. Franchement, tu t'attends à ce qu'ils disent quelque chose d'énorme. Le bruit des odeurs. Yo, sa poitrine m'avait choqué, man, quand j'étais jeune là. Et ses yeux aussi. Incroyable, des yeux vraiment incroyables. Waouh. Itinéris. De fouet.
Ah yeah! Elle va faire goûter de la potion magique à tous les travailleurs. Yes. On passe aux choses sérieuses là. C'est vrai. Yo, j'ai hâte du combat entre numéro bis et l'autre gars là. Petit peu trop pimenté là. Obé. Wouch. C'est du football américain, tranquille. Good. Ah, la perfection, quoi, n'importe quoi. Ah, check-moi ça, trop bien. J'ai oublié comment il s'appelle le jeu de la personne là qu'on doit trouver. Pam, 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 pam. Oh, find Waldo. Trouver Waldo, c'est ça. Oh, et c'est son nom. Yeah. Ah, il se pourrait que je dois muter cette partie, hein. Animotep, trop bien. Construction, pas de palais, pas de palais, pas de palais.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah ouais, c'est avec Dieudonné. Eh ouais. Comme les temps ont changé, quoi. J'ai vaincu. Caesar. Ou César. Elle est super belle, elle aussi, hein. En plus, c'est Darth Vader, man. Darth Vader. Journal du X. N'importe quoi. Civis pacem parvellum. Voilà, le combat entre Numéro Bis et Amon Beaufils. Ça représente quoi? Un serpent, ça? Le cobra? Comment il va se faire gifler par Obélix, lui? Genre là, tu te fous de ma gueule là? Pas Uchebe. Pas Uchebe. Ok.
Des amulettes. Oh, purée. Dans une boîte d'allumettes, hein. Franchement, il faut y penser. Que mon sort. Objectivement parlant, le film n'est pas extraordinaire, hein, mais on a grandi avec. À l'époque, c'était quand même quelque chose. Ça pullule. Qui utilise un terme pareil? Ça pullule de resto. Les japonaises. Instantané en 30 minutes. Il va lui faire mal là. Ah, c'est le moment où il lui arrache le nez. La cause du nez cassé. Vous avez vu, il a fait ça, Christian Clavier. Sphinx. Il va le foutre sous le sphinx. Ah bah mince alors. T'es surpassé là. Ah. N'importe quoi.
Mais là, il aurait pu le... Il aurait pu casser tout le truc là. Ah ouais. Je te capte pas là. Trop bien même. Les références là. Et c'est Idéfix qui va les sortir de la pyramide, hein, si je me trompe pas. Vraiment, à mon beau-fils a tout fait pour faire foirer le projet. Moi, ce tombeau sera votre tombeau. Ah. Une goutte. À trois gouttes. Eh ouais, mais la porte là, c'était pas le gros problème, hein, le plus gros problème. C'est retrouver son chemin.
Je m'occupe. Monsieur. Ouais. Trop bien. Le clin d'œil aux dessins animés. Une montagne. Ah, une farandole. Nil, Nil. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il va encore exploser le bateau des pirates. Ouais. C'est le bruit des sous-marins, non, qu'ils ont mis là, le poum, ou bien des têtes chercheuses sous l'eau. Ah, je crois qu'ils vont se faire exploser une troisième fois. Ouais. Et...
On dit Chaco. C'est créatif. Les handshakes à l'ancienne. Pour la reine des reines.
Je blais. Mais quel culot! Ça va faire mal. Oh. Oui. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Toi. On a dit trop par Obélix. Et trois. Give me a kiss. Yeah. Donne-moi un baiser. Un bisou. Give me a kiss. Very nice. L'île Maurice.
Carte à puce. Le gars avec sa canne tranquillement et le rocher sur son épaule. Manu Best of Plus. Lui, c'est censé être le Ibrahimovic hein, dans le tout dernier film. Ah, j'ai trop regardé ce film. La meilleure partie. Antivirus. Ah, il a laissé pousser ses cheveux là. Il y a quelqu'un qui a dit aïe à un moment donné, lorsqu'ils étaient en train de faire leur formation là.
Yeah, comme les films spaghetti là. Western. Ah, j'aime trop cette partie! Centurion affaire Dreyfus. Contre-attaque. Yeah. Yo, c'est le combat épique, mon gars. Mais en fait, à mon beau-fils, il prend de la potion magique aussi, non? J'aime pas trop beaucoup ça. Un peu trop plus, moins calme. Ah, ils vont bousiller le palais. Quelle vulgarité! Pleine lucarne. Non. Non. Non.
Ah, voilà. La troisième et dernière fois, je crois. Beaucoup de football américain hein, dans ce film. Voilà. Ah, le tableau. La Méduse, je crois que ça s'appelle comme ça. La Méduse. C'est le flash. Pouf. C'est trop épique cette phrase. Cours, Hamster X, cours. C'est cela, oui. C'est cela. Les quilles de billard. Ouais, c'est ça. Non, de bowling. Ah, c'est comme ça qu'il avait. Ok. Ouais, je ne me rappelle plus de ça. J'étais en train de me demander comment est-ce qu'il a. Oh. Comment est-ce qu'il est arrivé à se procurer de la potion magique à mon beau-fils? Yeah! La meilleure partie. Regarde-moi le fond vert derrière. À l'époque, c'était cool, mais là, ça se remarque énormément. Yeah!
Avec une seule main. C'est dans quelle langue ça? J'ai jamais su en fait. Poum, Imhotep. La roue qui tourne toute seule. Pratique ça. Yeah! Regarde-moi l'étirement, genre. Comme ça. Mon Dieu, mais tout le film, c'est que des blagues.
Ouh. La vraie potion magique. Ladies and gentlemen, ça va arriver tout de suite. On est tous d'accord pour dire que ça, c'est la vraie potion magique. Man. Yeah. Hop là. Nice. C'est créatif quand même. C'était au retour qu'ils avaient mis les effets sonores des quilles. Mais oui. That's it. Tu écoutes la reine. We gonna party, Ça fait plaisir.
La musique ressemble un petit peu à celle de la momie aussi, hein. Ah. Comment qu'on Ah ouais, c'est ça. Qui joue de la musique? Ils font hum hum. Yeah, Snoop Dogg en featuring avec Jamel de Boost. Let's go. Oh oui. Le mec il s'appelle On. C'est son phare. Le chef de nous. Ça fait plaisir. We're gonna party.
Caesar. J'avais jamais vu celle-là. C'est Joe Star, ça? Elle va se lever, elle va partir. C'est terminé. On l'a fait, les amis. Nous avons réagi au film légendaire Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Et je pense qu'on est d'accord sur le fait que c'est le meilleur film Astérix Obélix jamais créé. Voilà. Ce fut un plaisir de A à Z. Franchement, j'ai pas vu le temps passer et ça m'a fait plaisir de le re-regarder même une décennie plus tard. Voilà. Mais il faut avouer que j'ai dû le regarder je sais pas combien de fois pour pouvoir me rappeler encore aussi bien de pratiquement tout en fait. Quel classique! Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Prenez soin de vous et je vous attrape dans la prochaine vidéo. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les valider qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/